إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة Nous allons voir aujourd'hui le chapitre numéro 11 et 12 du livre de l'unicité du Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Le chapitre 11, c'est le chapitre du vœu, al-nadr. Le vœu pour autre qu'Allah fait partie du polythéisme. Ici, l'écrivain, rahimahullah, parle du vœu. Et il dit qu'il fait partie du polythéisme sans citer quel type de polythéisme c'est. Et certains savants disent que le cheikh ici a voulu en fait introduire ce sujet par rapport aux gens de son époque qui faisaient des vœux pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ne pas donner directement dans le titre le statut, c'est-à-dire du fait que c'est un polythéisme majeur. Mais il a simplement dit, il fait partie du polythéisme. Et en citant les preuves juste après, et surtout en citant les points à retenir, on voit clairement qu'il juge cet acte-là comme étant du polythéisme majeur. Puis il dit, Allah le Très-Haut a dit, يوفون بالنذر. Et il dit, وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ. Ils accomplissent leurs vœux. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Quelles que soient les dépenses que vous avez faites ou le vœu que vous avez voué, Allah le sait. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit ils accomplissent les vœux. Allah Ta'ala fait l'éloge de ceux qui respectent leurs vœux. Or, cet éloge implique qu'Allah agrée et aime cette œuvre. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala agrée et aime les adorations. Donc, cela implique que c'est une adoration qui est aimée par Allah Tabaraka wa Ta'ala et légiférée. Il s'agit donc d'une des catégories de l'adoration que l'on doit vouer à Allah Tabaraka wa Ta'ala seul, car toutes les adorations ne doivent être vouées qu'à Allah. Et la diriger, la vouer à autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est une forme de polythéisme majeur. Il en est de même dans le verset où Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le sens, quelles que soient les dépenses que vous avez faites ou le vœu que vous avez voué, Allah le sait. Allah le sait, subhanahu wa ta'ala. Quand ici Allah tabaraka wa ta'ala dit Allah le sait, c'est-à-dire il sait ce que vous faites, il va donc vous en récompenser. Le sous-entendu, c'est qu'Allah s'est chargé de vous récompenser de ce qu'il sait des actes que vous avez accomplis pour lui. Donc cela prouve qu'Allah agrée cet acte et l'aime. Et ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala agrée et aime parmi les actes de dévotion sont une adoration. On comprendra donc que le vœu pieux est une adoration que l'on fait pour Allah tabaraka wa ta'ala et la vouer à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala est une forme de polythéisme majeur. Donc on comprend bien en quoi ces deux versets ont un lien direct avec le nom du chapitre. Puis le cheikh a cité le hadith de Aïcha, radiallahu anha,
où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse, et quiconque fait le vœu de lui désobéir, qu'il ne le fasse pas. Ce hadith, il est rapporté par le Bukhari dans le chapitre des serments et des vœux. Quiconque fait le vœu d'obéir à Allah, ce hadith, il implique l'obligation de respecter les vœux qu'on a fait pour Allah, tabaraka ta'ala. Or, si c'est une obligation, alors il s'agit obligatoirement d'une adoration qui est aimée et agréée par Allah, tabaraka ta'ala. Car l'acte obligatoire est un type d'adoration. De plus, tout ce qui mène à cette obligation est aussi une adoration. En effet, l'acte menant au respect du vœu est le vœu lui-même. Et si ce n'avait été le vœu, son respect n'aurait pas lieu d'être. Le respect du vœu est donc obligatoire, car c'est le musulman apte, en pleine possession de ses facultés mentales, qui s'est imposé à lui-même cette adoration. Dans la deuxième partie du hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: et quiconque fait le vœu de lui désobéir, qu'il ne le fasse pas. C'est-à-dire qu'un musulman, s'il s'impose de faire une désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, alors il ne lui sera pas obligatoire de pratiquer cela. Au contraire, il lui sera obligatoire de ne pas mettre en pratique son vœu. L'obligation, c'est qu'il ne le mette pas en pratique. Et les savants ont divergé quant au fait d'expier ce vœu comme on expie les serments. Puis le cheikh, rahimahullah, a cité les points à retenir. Premièrement, l'obligation de respecter les vœux. Sous-entendu, autre que les vœux qu'on a fait pour faire un interdit, une désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxièmement, sachant que cet acte est une adoration d'Allah, l'avouer à autre que lui est une forme de polythéisme. Cette règle est très importante. Cette règle qu'il cite ici, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est une règle de base très importante. Quelle est cette règle? Que si un acte est une adoration, automatiquement, l'avouer à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala est une forme de polythéisme. Donc, dès qu'il y a une preuve du Coran et de la Sunna authentique, qu'un acte, une parole est une adoration par laquelle on s'approche d'Allah tabaraka wa ta'ala, on saura automatiquement, directement, que le fait de l'avouer pour autre qu'Allah est du polythéisme. Troisième point, il n'est pas permis de respecter un vœu de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le chapitre 12, rechercher la protection d'un autre qu'Allah, fait partie du polythéisme. Rechercher la protection d'un autre qu'Allah fait partie du polythéisme. Dans ce chapitre, dans ce titre, quand l'écrivain dit « fait partie du polythéisme », c'est-à-dire que c'est du polythéisme majeur. Et « al-isti'ada », c'est le fait de demander la protection. « Al-isti'ada ». En fait, c'est le fait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il nous préserve d'un mal. En fait, c'est une invocation. Cette formulation est une invocation. C'est ça la réalité de l'isti'ada, la demande de protection. C'est une invocation. Et si on a compris que c'est une invocation, donc c'est une adoration. On a déjà vu auparavant que l'invocation est l'adoration même. Et l'adoration ne doit être vouée qu'à Allah tabaraka wa ta'ala, selon l'unanimité des savants et selon tous les textes authentiques du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, comme l'on trouve dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens: les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Et sa parole subhanahu wa ta'ala dans le sens: et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui. Nous pouvons même affirmer que toute preuve indiquant l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'invocation ou l'adoration est une preuve concernant la demande de protection en particulier. Donc l'isti'ada, la demande de protection valable, est celle qui est adressée à Allah tabaraka wa ta'ala seul et celle qui regroupe l'acte apparent de demande de protection, c'est-à-dire la demande d'être préservé ou sauvé d'un mal,
avec la langue est l'acte caché qui consiste en l'orientation du cœur, sa quiétude, sa nécessité et son besoin vis-à-vis de celui à qui la demande est formulée. Il consiste aussi au fait de s'attacher et de s'en remettre à lui pour obtenir le salut. Par unanimité des savants, l'isti'ada, la demande de protection, n'est valable que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, si une personne affirme que chercher la protection d'une créature est valable, si cela entre dans ses capacités, c'est parce qu'il existe certaines preuves à ce sujet. Néanmoins, nous répondons que ceci concerne la demande de protection par la parole seulement, tout en ayant le cœur rempli de quiétude envers Allah tabarak wa ta'ala, orienté vers lui, en ayant une bonne opinion à son sujet, en considérant le serviteur à qui la demande de protection a été formulée comme une cause, et à condition que ce serviteur à qui la demande de protection a été formulée soit une personne capable, vivante, présente, capable d'accorder cette protection, vivante et présente, non absente. La demande de protection n'est donc ici que apparente, que avec la langue. Quant au cœur, la réalité de demande de protection ne s'y est pas manifestée pour autre qu'Allah tabarak wa ta'ala. Elle s'est dirigée que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas précis, cette demande envers une créature est autorisée. C'est ainsi qu'apparaît la nullité des propos des fabulateurs affirmant que la recherche de protection des morts, des djinns et des saints est permise. En effet, les morts et les djinns et les saints, premièrement, sont morts, donc ne peuvent plus rien faire, ou bien leur cœur est dirigé vers eux, contrairement à ce qui est permis de demander à une personne vivante, présente, non absente. Le cœur est dirigé vers Allah, on lui demande juste sur une chose dont il a la capacité de faire, en le considérant simplement comme une cause. Simplement comme une cause. Alors que demander la protection des morts n'est pas une cause légiférée, car ces morts ne peuvent plus rien faire. Et puis les cœurs s'orientent vers ces morts, vers ces saints. Les cœurs s'orientent vers les djinns. Et dans ce cas-là, en orientant le cœur et la langue, le shirk est apparu, le polythéisme est apparu. À savoir que même la demande avec la langue, sans le cœur, pour laquelle seul Allah est capable de protéger, est aussi du polythéisme. Est aussi du polythéisme. Non. Donc, la demande de protection qui est autorisée auprès des créatures qui sont capables de protéger n'est que par la permission qu'Allah tabarak wa ta'ala leur a accordée et la force et la capacité qu'Allah leur a accordée dans ce bas monde. Quelqu'un, par exemple, est un roi, quelqu'un est puissant. Allah, il lui a donné une certaine force, comme cet homme des enfants d'Israël qui a demandé aide et protection à Moussa contre le copte. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Puis, le Cheikh, rahimahullah, a cité la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala, « وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا » Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Dans ce verset, la détresse qu'Allah tabarak wa ta'ala a citée désigne la peur et la panique éprouvée par le cœur, un sentiment qui engendre cette détresse. En outre, la détresse peut toucher les corps comme elle peut toucher les âmes, car il s'agit d'une punition pour avoir cherché protection auprès d'un autre qu'Allah tabarak wa ta'ala. Or, une punition ne concerne qu'un péché, et le verset indique que ces gens ont été blâmés car ils ont voué cette adoration à un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. De plus, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné de demander protection à lui et à personne d'autre. Il y a une autre explication au terme détresse ici, rahaqa, qui est celle de Qatada,
et de certains pieux prédécesseurs, à savoir que le terme détresse ici signifie les péchés. Ce qui implique clairement que rechercher la protection d'un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala accroît la quantité des péchés. Puis le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a cité le hadith de Khawla bint Hakim, rapporté par l'imam Muslim. Khawla bint Hakim, radiyallahu anha, a dit: j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dire: quiconque fait une halte à un endroit et dit: je cherche protection auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal qu'il a créé, aucun mal ne le touchera jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. Rapporté par Muslim. Dans ce hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle à demander protection par les paroles parfaites d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et les paroles d'Allah sont un attribut parmi les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, et il est permis de demander protection par Allah et par ses noms et par ses attributs. Ceci fait partie du tawhid, du monothéisme et de l'unicité. Alors que demander la protection par autre que qu'Allah et ses noms et ses attributs, c'est avoir donné des égaux à Allah tabaraka wa ta'ala et lui avoir donné un associé, subhanahu wa ta'ala. Et on voit dans ce hadith qu'il y a du mérite de chercher la protection auprès des paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette demande de protection, c'est contre les créatures néfastes, contre le mal qu'il a créé, c'est-à-dire contre le mal créé par Allah tabaraka wa ta'ala. Ce terme général concerne seulement les créatures dans lesquelles le mal se trouve, car il existe des bonnes créatures dans lesquelles le mal n'existe pas, comme le paradis, les anges, les messagers, les prophètes et les saints. Puis le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, cite les points à retenir. Il dit, premièrement, l'explication du verset de Surat al-Jin. Deuxièmement, rechercher la protection d'un autre qu'Allah fait partie du polythéisme. Troisièmement, le hadith cité est un argument à ce sujet. En effet, les savants l'utilisent pour prouver que les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala ne sont pas créées, car rechercher la protection d'une chose ou un être créé est une forme de polythéisme. Quatrièmement, le mérite de cette invocation citée dans le hadith malgré sa concision. Cinquièmement, le fait qu'une chose entraîne un bienfait matériel comme la protection d'un mal ou l'attirance d'un bien, ne prouve pas qu'elle ne fait pas partie des actes de polythéisme. Allahu Akbar. Ce point-là, ce cinquième point, il est très très important. En effet, dans le verset, on voit qu'il y avait des hommes parmi les êtres humains qui demandaient protection à des mâles parmi les djinns. Et certains polythéistes, quand ils font leurs actes de polythéisme, quand ils vont tourner autour des tombes ou invoquer les morts ou faire certains actes de polythéisme ou aller voir les sorciers, ils disent: oui, mais ça fonctionne, cela m'a protégé, j'ai réussi à atteindre un bien en faisant cela. Donc ici, le cheikh rahimahullah cite un point essentiel et très important: le fait qu'une chose entraîne un bienfait matériel comme la protection d'un mal ou l'attirance d'un bien ne prouve pas qu'elle ne fait pas partie des actes de polythéisme. Effectivement, tous ces gens-là qui font du polythéisme, à chaque fois, ils disent: oui, mais ça fonctionne, oui, mais j'ai atteint ce que je voulais, oui, mais... En fait, leur objectif, c'est atteindre ce qu'ils veulent, peu importe s'ils gagnent avec l'enfer éternel ou non. Alors qu'en islam, la fin ne justifie pas les moyens, surtout si ces moyens sont un acte de polythéisme majeur par lequel la personne mérite l'enfer éternel et annule son islam. نسأل الله السلامة والعافية والله تعالى أعلى وأعلم وصلي الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم آله وصحبه وسلم آله وصحبه وسلم